Guest, the great percussionist Chick Byfall. De nous accueillir à Saint-Louis. Le chemin fut très long, de 170 km, de la capitale à Saint-Louis. Quelle capitale? Celle du Sénégal ou celle de la culture? On est arrivé, on a de l'amour à partager, des mots, des passionnés. Pas si on est seulement des slameurs, non, juste si on est des amoureux du verbe. Alors aujourd'hui, on a franchi le cap. On a slamé sur la lune. Aujourd'hui, nos mots sont en train de ruisseler sur le fleuve. Vous qui nous entendez, nous écoutez, qui partagez vos mots, votre passion et votre amour, nous sommes là pour vous donner tout ce que nous avons comme amour et comme mots. Alors nous vous demandons juste un geste d'attention que vous avez d'habitude de nous donner. Nous vous remercions pour votre présence. Merci. Nous avons des mots qui blessent, des mots qui soignent, des mots qui poncent, des plaies et nous font penser. Ce que nos jeunes ne nous ont pas dit, ce que nos aînés ne nous ont pas dit, ce qu'on a toujours caché et qu'on cherche encore. Moi, j'ai été très nul en classe, mais aujourd'hui, je sais écrire. La preuve en est là. Dis-leur, Diamé. Salut, bonsoir. Salut, je vous entends pas. Bonsoir.
maintenant, je vous entends. Il dit qu'il a été nul en classe. Mais j'ai été plus nul que lui. Moi, les nulards, je les connais et les nulards me connaissent. Je vous donne trois indices pour vous dire ce que c'est qu'un vrai nulard. En général, il est grand comme moi. Deuxième indice, il s'assoit toujours pas derrière. Troisième indice, il est toujours bavard, comme moi. Alors comme je bavardais, le maître m'a surpris. Il m'a dit, Jamil. Je lui ai dit, oui, monsieur, quand des verres se suivent, c'est comme ça. Le second est souvent dubitatif. Et pourquoi? Je dis parce que rester à l'infinitif n'est pas vraiment évolutif.